La chose qui se passe, c'est que le trou qui est là, il est pas assez large pour mettre la base du sapin. Oui, parce qu'on va mettre un petit sapin rapidement pour les enfants. Et ma mission aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte que ça, qui est trop large, puisse rentrer dans ça. Mais le souci, c'est que le seul outil que j'ai à ma disposition, c'est cette machette que j'ai. Je n'ai rien d'autre. Franchement, je n'ai rien d'autre. Donc, heureusement qu'il y a une partie, tu vois, édentée sur le côté. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec. Voyons voir si j'arrive avec cette partie-là. Oh, la rouille! Et qui sait comment on peut faire pour enlever la rouille? Parce que c'est quand même une bonne marque hein, de machette que j'ai achetée. Et ça me casserait un peu les pieds de l'avoir rouillé. Donc si en commentaire vous pouvez me donner des petites astuces pour enlever la rouille, je suis preneur. Bon les gars, je n'ai pas beaucoup d'ustensiles comme je vous ai dit pour réaliser ce que je suis en train de faire. C'est du n'importe quoi. Je suis en train d'essayer de gérer à ce que le sapin soit stable en mettant des petites bûchettes à l'intérieur. Faut que je t'explique ce qui s'est passé. Mon épouse a voulu économiser 3 euros. Ok ? Elle a voulu économiser 3 euros et ne pas acheter la bûche qui va avec le sapin. Elle a dit non, d'habitude, c'est gratuit. Je la comprends. Je la comprends dans le sens où, quand tu achètes le sapin, la bûche, elle va avec, les gars. Faut arrêter. Tu mets 3 euros de plus pour la bûche. Là, ça abuse. Et comme on en avait déjà une, bah, elle s'est dit le mieux, c'est d'utiliser celle qu'on avait. Sauf que c'est pas le même diamètre que celle qu'on avait l'année dernière. Donc celui qu'elle a pris cette année est beaucoup plus gros que celui qu'on avait l'année dernière. Donc j'ai dû scier, élargir le trou, scier le bout du sapin pour le mettre à l'intérieur. Mais comme j'ai pas les outils adéquats, ben j'ai fait ça de manière très approximative. Et là je me retrouve pour une économie de 3 euros. Ce que je comprends, j'aurais pris la même. Elle a fait la décision. J'aurais pris la même décision, je pense que j'aurais fait la même chose qu'elle. Là, pour le coup, elle a réfléchi comme moi, elle s'est dit, on en a déjà un à la maison, pourquoi payer 3 euros, les gars, ils abusent. Voilà, mais là, je me retrouve, je sais pas si ça va tenir, j'espère que ça va tenir. J'ai mis des petites bûchettes que j'utilise pour le café. Je suis en train d'essayer de le faire rentrer à l'intérieur, là, mais des fois, j'ai pas prise. Avec mon petit marteau et à faire des petits trucs comme ça là. Et je suis pas un bricoleur hein. De base j'étais parti pour faire ingénieur en mécanique les gars, donc et je suis pas un bricoleur du tout hein. Mon premier métier que je voulais faire, c'était ingénieur en mécanique. J'étais arrivé jusqu'au BTS et après ça m'a saoulé. Ouais, je pouvais faire une grande carrière dans l'ingénierie hein. C'est sans mentir, c'est pas des blagues. Mais voilà, ça me procurait pas de plaisir en fait. Je me lassais très vite. Une fois que j'avais résolu le problème, c'est bon, je me lassais très vite. Donc, qu'est-ce que te dire de plus? Je suis en train de lutter avec un sapin là en fait. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Je n'ai pratiquement jamais parlé de la période avant 2014. Septembre 2017, je suis en classe BTS en ingénierie et mécanique pour PSA Peugeot à Poissy. Je suis dans la classe là, on est en septembre. Je dois finir l'année, c'est la dernière année et on a les examens qui vont arriver. Voilà, je suis en cours de la deuxième année en fait. Donc les examens vont arriver, donc on se prépare pour cette dernière année là. Et les profs m'avaient dit que ouais, franchement, c'est un cursus que je peux vraiment faire carrière dedans, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais à ce moment-là, t'as Kanye qui sort son album Graduation et l'album, il me met une claque parce que je me rends compte de quelque chose, c'est que je peux avoir mon diplôme, mais en gros, je suis pas heureux en fait. Je m'épanouis pas, je suis pas heureux de faire ça. Je suis vraiment rentré dans ce cursus là par dépit. Voilà, peut-être que je prendrai le temps un jour d'expliquer tout ça, mais je me dis, je peux pas faire que ça tout le reste de ma vie en fait. Un travail qui ne me plaît pas, qui me donne pas envie de me lever, qui me motive pas, ou pratiquement la même chose. Et franchement, ça, je crois que écouter l'album de Kanye à ce moment-là, quand il a fait justement Graduation, ça, il y a une résonance. Si tu veux savoir, je vais te donner directement un des titres. Ouais.
so God, I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. The whole much is given, much is tested. Get arrested, guess until they get the message. C'est ce morceau-là, en fait, que j'écoutais tout le temps. Et je me dis, tu peux pas passer ta vie dans un taf que t'aimes pas en fait. Et je me suis barré. C'est un truc de ouf. PSA Peugeot Poissy quand même à l'époque. Hein. Et un des passages les plus intéressants. Et déjà, là, quand je discutais avec certaines personnes et que je leur disais que je me sentais pas bien dans mon cursus, que je me sentais pas épanoui, j'étais pas heureux, nous sommes en 2007, hein. J'ai été pris pour un fou. On m'a pris pour un fou. On me disait, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais comment c'est dur de rentrer chez PSA Peugeot? T'as une place assurée là-bas, tu fais l'école là-bas. En fait, une fois que tu es sorti et que tu es diplômé, t'as tout de suite un taf. Sauf que moi, je dis, mais les gars, je suis rentré là, mais faut pas oublier que je suis noir, en fait. Et quand j'ai fait les stages là-bas, en fait, quand j'ai fait certains stages, je l'ai vu direct que je me sentais pas à ma place. T'es le seul mec, t'es le seul noir là où tu es, avec la blouse blanche, que de la blouse des techniciens, tu vois, machin et tout. T'as pas la blouse bleue des agents de maintenance et compagnie. Combien de fois j'ai dû, à chaque fois, sortir mon badge pour bien stipuler que la blouse blanche que j'ai, je l'ai pas volée. Et je me dis, si c'est ça, si je dois passer mon temps à faire violence pour m'en faire entendre ma voix, vaut mieux que je le fasse dans quelque chose où je suis épanoui, en fait. Vaut mieux que ça ait un sens. Tu vois, vaut mieux que ce soit quelque chose qui puisse m'apporter à moi et les gens autour. Pas passer ma vie à me défendre de la position dans laquelle je suis et ne pas être heureux. Et c'est là que j'ai dit, fuck that shit. I'm gone. Bon les gars, voilà, c'est pour ça qu'il faut s'abonner, me mettre des likes, des commentaires et des j'aime, parce que c'est sûr que c'est pas avec ce genre de truc là que je vais être monétisé sur YouTube. Salut la Flo Family, j'espère que tu vas bien et que tu es toujours content à chaque fois que tu vois ma tête apparaître sur ton YouTube. Tu sais que tu vas passer un bon moment, tu as ta petite tasse, tu as ta petite boisson, tu as ton petit encas. Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi en 2025, ok bon je sais, au moment où je tourne cette vidéo on est en 2024, mais j'essaie de prendre de l'avance, t'as capté, j'essaie de faire le mec du futur. Pourquoi en 2025 tu peux compter sur le GH5 pour te lancer dans la vidéo et faire tes podcasts, faire tes vidéos de mariage, faire tes clips, faire tes vidéos où tu parles comme je suis en train de faire là, faire tes courts-métrages, pourquoi pas faire un film, hein? Ouais, le GH5 t'inquiète, he's there for you. Bon allez, disons que tu veux te lancer sur YouTube mais tu n'as aucune idée par quoi commencer, c'est déjà un début. Le fait de ne pas avoir d'idée prouve que tu sais pas par quoi commencer et que pour commencer, il te faut une idée. Oui, parce que ça ne sert à rien de te lancer sur YouTube si tu n'as aucune idée du contenu que tu vas proposer. Ouais. Crois-moi, tu vas galérer.
Donc d'abord, si tu te lances sur YouTube, c'est parce que tu as du contenu à proposer. Tu as une idée, tu as une passion, tu as des points de vue, tu vois, tu as des choses à proposer. À partir de là, une fois que tu sais ce que tu as à proposer, tu vas te dire, ben du coup, comment je vais en parler avec les autres? Et les conseils que je suis en train de te donner, c'est des conseils que je vais commencer à appliquer pour moi-même en 2025. Je te donne mon exemple. Au début, quand je me suis lancé sur YouTube, mon but était de filmer des concerts de musique, parce que je kiffe la musique, de filmer des concerts de musique, des musiciens, en fait, de rester sur la partie musique. Mais au fil du temps que je développais, j'ai constaté que j'aimais bien aussi filmer un peu de tout et partager juste la journée que je pouvais passer ou les différents événements auxquels je pouvais avoir accès. Et j'ai commencé à faire des vlogs. Et quand j'ai commencé à faire des vlogs, j'ai commencé à raconter un peu plus ma vie, mon point de vue sur la vie par rapport à mes expériences. Et c'est vraiment ça qui me passionnait sur YouTube. Mais avec l'évolution de YouTube, les vlogs ont commencé à prendre une hauteur de fou malade. Tu vois, les gars, ils ont commencé à faire des vlogs voyage où ils allaient à des endroits, il y avait des gros meetings. Donc toi qui fais ta petite vidéo vlog où il se passe pas grand chose, ben, c'est très vite passé à la trappe. Mais bon, c'est pas grave, j'ai continué. Et ensuite, les mêmes gars qui te faisaient des vlogs, ils ont commencé à être sponsorisés. Plus ils sont sponsorisés, ben, plus ils présentent du matériel, plus ils peuvent présenter du matériel, plus du matériel va sortir parce que les marques savent qu'ils ont une grosse influence sur une clientèle potentielle. T'as capté le bail. Et toi, c'est compliqué à suivre, tu vois. C'est compliqué à suivre parce que mon idée de base, c'était juste vlogger. C'était juste montrer un petit peu mon univers et ce que je faisais à côté. Et je suis rentré dans cet engrenage-là. J'ai essayé d'imiter. Pas imiter, mais j'ai essayé de suivre la tendance. J'ai voulu, comme on a commencé à faire des vidéos où on parle de technique, ben j'ai commencé à faire des vidéos techniques. Comme on a commencé à faire des vidéos qui parlaient de matériel, ben j'ai commencé à faire des vidéos matérielles. Et plus tu fais ça, ben plus tu t'éloignes de ta ligne éditoriale, si je peux le dire comme ça, de la base pour laquelle je voulais faire des vidéos, prendre ma caméra et tourner. Et ça m'a fait changer de cap, mais avec puissance 1000. Donc c'est pour ça que c'est important, avant de te lancer sur YouTube, de savoir quelle est ta ligne, okay, quelle idée, qu'est-ce que tu veux partager, qu'est-ce que tu veux mettre en avant, quoi tu veux parler. Une fois que tu as ça, tu pourras stipuler sur quelle méthode tu vas utiliser pour en parler. Est-ce que tu vas faire du facecam? Est-ce que tu vas faire en forme de documentaire? Est-ce que tu vas faire sous format clip? Est-ce que tu vas faire sous format vlog? Une fois que tu as délimité cette partie-là aussi, tu passes à l'autre partie qui est le choix de ton équipement. Et pour le choix de ton équipement, j'ai peut-être un boîtier qui pourrait t'intéresser. Allez, je te fais une présentation du boîtier. C'est pas la première fois que je parle de ce boîtier-là sur ma chaîne, hein, ok? Mais je pense que c'est toujours utile de pouvoir de temps en temps te rafraîchir un peu la mémoire et te montrer à quel point Panasonic du mix, en tout cas, ils sont violents. En tout cas, ils sont présents. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas présents avec tout ce qu'ils ont déjà sorti dernièrement, mais je sais que c'est un budget quand tu commences de te lancer dans la vidéo et tu te dis quel boîtier je vais acheter. Tu ne veux pas trop dépenser, mais en même temps, tu dois quand même mettre un prix pour avoir une certaine qualité. Le GH5, c'est vraiment le boîtier qu'il te faut. Donc, je ne vais pas vraiment entrer dans tous les détails. Je pense que chaque fois que tu auras une question par rapport au boîtier, mets-le moi en commentaire. Et honnêtement, je ne te mens pas, je fais une vidéo par question. Voilà, je ferai ça. Chaque question que tu as dessus, je fais une vidéo dessus pour répondre. En tout cas, posez vos questions. Je fais une vidéo pour répondre à toutes vos questions après sur ce boîtier-là. Donc, je vais essayer de vous le présenter de manière globale et générale. Le boîtier, c'est quoi? Alors, c'est un micro 4 tiers. Avantage du micro 4 tiers, la légèreté. C'est un boîtier qui est super léger. Pourquoi? Parce que les objectifs des micros 4 tiers ne sont pas lourds. C'est pas des blagues. J'ai trois objectifs que j'utilise dessus. Le 24 qui ouvre un 7. Ok, le 24 qui est ici. Je peux pas te dire prends le poids parce que ça va être impossible, mais le truc il est vraiment léger. J'ai aussi le 1235, il est léger de ouf, qui ouvre à de 8 stabilisé, ok, avec un autofocus. Ouais, et je me serais jamais permis de faire ça avec mes objectifs de chez Sony ou sur ma Blackmagic. Et pour terminer, le 16 mm qui ouvre à 7 aussi. Franchement, ces trois objectifs là, quand tu les as, c'est des bangers. Le 16 mm, quand je veux faire du grand angle et que je sais que je vais rester qu'au grand angle, voilà, pour certaines scènes précises. Ensuite, je peux passer sur le 12 pour avoir un plus grand panel, 12-35. Et le 24, c'est quand je vais avoir ce petit côté un petit peu cinéma. Parce que sachant que c'est un micro 4 tiers, ok, j'ai du 25, mais c'est pas vraiment du 25, comme si j'ai du 45. Mais bon, bref, on n'est pas trop là pour faire le côté technique. Et le dernier petit bijou que j'ai jamais voulu lâcher, parce que c'est mon bijou. C'est vrai, c'est celui-là. J'ai un 85 Nikkor que je mets dessus. J'ai mis dessus une bague d'adaptation pour micro 4 tiers et vers objectif Nikkor de chez Nikon. Alors, parce que cet objectif-là, c'est juste une tuerie. C'est juste une tuerie de l'avoir dans mon parc. 85, ça me donne comme si j'ai un 105. Bref, t'as capté, c'est une tuerie. Voilà.
Donc, qu'est-ce que je peux te dire de plus sur le boîtier? Tu as un flip screen qui veut dire que tu as un écran qui est orientable. Ok, ta guise, à ma guise, tranquille. Comme il est flexible le truc, tu as vu comment il flex pour les prises au sol, pour les prises aériennes. Ok, ça fait le taf. Tu as deux entrées SD. Oui, je sais, c'est du SD. Ouais, c'est pas du SIFAS, c'est pas du disque dur, mais on est là pour rapport qualité-prix. Hein. Les cartes SD, tu les trouveras moins chères que les disques durs. Et tu peux t'en acheter plein. Moi, j'en ai plein, baby. J'en ai plein, baby. Là, je t'en montre que 3. Mais les autres, ils sont quelque part. Enfin, j'espère. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tu parlais de l'écran orientable. Oh, les connexions. Gars, ils ont des connexions. Tu vas m'en dire des nouvelles. Déjà, l'entrée HDMI, c'est du court HDMI patate. Ok, c'est pas les petits trucs mini là que tu vas retrouver sur le Sony A7R que j'ai là, qui est super fragile et tout, qui me casse les pieds. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire du vlog avec. Parce que déjà, il a pas de retour écran. Mais bon, t'as capté, je suis un professionnel. Je connais la distance qu'il faut avoir avec mon focal. En ce moment, je suis sur le 24-70. Si j'ai envie de zoomer, je zoome. Ok, bref. L'entrée HDMI, c'est une pure HDMI comme ta télé. Donc, tu as forcément le câble. Ensuite, tu as une connexion USB-C. Hein, tu crois qu'on n'est pas à la mode, nous. Ça sort en 2017, mais il y a de l'USB-C dessus. Plus intéressant encore, tu as une entrée casque pour vérifier ton son si tu veux. Et tu as une entrée micro. Ok. Et tu peux mettre tout type de micro dessus. Je mets vraiment tout type de micro dessus. Dès qu'il y a une entrée 3.5, ça passe. Ça capte. Donc, qu'est-ce que je peux te dire d'autre dessus? Tu as toute une ribambelle de fonctions. Ok. Je sais que j'ai déjà fait cette vidéo-là, mais je voulais la refaire. Parce qu'il y en a plein d'entre vous, vous ne comprenez pas à quel point ce boîtier, c'est un banger. Voilà, donc je serai là à vous le répéter s'il faut autant de fois pour que ça puisse rentrer dans votre tête que si vous cherchez un boîtier rapport qualité-prix pour avoir de l'équipement derrière, prenez un GH5. Le prix que tu vas mettre dans juste acheter un Sony FX6 ou un Sony FX3, bien sûr, je parle de quand tu commences, hein. Mets ça plutôt dans un GH5, tu vas pas le regretter. Parce que tu vas aller t'embourber avec l'achat d'un FX3, tu viens de commencer, c'est pas sûr que tu vas toper du gros client, c'est pas sûr que tu pourras le rentabiliser assez rapidement. Je dis ça comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas less is more, mais t'es pas obligé de casquer un gros billet pour commencer dans la vidéo. Bien évidemment, tu peux toujours commencer avec un iPhone, j'entends les gens qui disent bien sûr, tu peux commencer avec un iPhone, mais tu ne commenceras pas avec un iPhone 7 ni avec un iPhone 6. Je peux te le garantir. Quand tu vois ce que les caméras sont capables de délivrer aujourd'hui, tu auras au moins besoin minimum d'un iPhone 13. Mm-hmm. Ouais. Tu auras minimum besoin d'un iPhone 13 de nos jours. Donc, tu vois ce que je veux dire. Et l'iPhone 13, il ne coûte pas 400 balles. Hein. Ok. Donc, il faut arrêter avec le... commencer avec le... Bref, et quel que soit le smartphone, hein, les smartphones coûtent cher aussi. Ils coûtent limite le prix d'une caméra. Mais... avec le GH5, je te promets, tu rentres dans tes frais. Bon, alors, bien évidemment, il y a énormément de boîtiers avec lesquels tu peux commencer. Il y a énormément d'équipements avec lesquels tu peux commencer, de caméras, d'appareils photo, d'appareils vidéo. Tu peux même commencer avec un téléphone. Okay. Parce que le but, c'est d'abord d'avoir une idée et ensuite de trouver le moyen de pouvoir la rendre tangible, réalisable et la rendre vivante. Okay. Donc, tu peux même utiliser ton téléphone. Moi, j'ai déjà tourné avec un téléphone, tout simplement. Voilà, c'est un petit module que j'ai mis en place où je peux tout simplement venir et tourner avec. Mais tu vas très vite être limité avec le téléphone. Pourquoi? Un truc tout simple. Quand tu commences à tourner avec le téléphone, c'est bien, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur, tu peux éditer tout de suite. En fait, tu as le côté instantané et ça, c'est bien. C'est pour faire de l'Instagram. Si c'est ce que tu recherches, filme avec le téléphone. Mais sur le long terme, tu vas te rendre compte que la batterie ne va pas tenir. Ensuite, tu vas peut-être changer de valeur de plan, faire des cadrages différents. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'acheter une batterie externe. Ensuite, tu vas vouloir acheter les lentilles, les objectifs qui vont dessus. En fait, tu vas rajouter plein de petites choses autour du simple téléphone pour faire ta vidéo. Et tu te rendras compte qu'au final, valait mieux acheter directement un appareil. Bon, une fois que tu sais de quoi tu veux parler, tu as le matériel pour pouvoir le filmer, ok? Pour le capturer, pour capturer ce dont tu veux parler. Il faut maintenant un peu plus de choses que ça, que juste une idée, un boîtier. Il te faut du son et c'est important que tu choisisses le bon micro, ok, pour bien enregistrer ce que tu vas faire. Il y a tout type de micro avec lesquels tu peux commencer. J'ai fait une vidéo où j'explique un petit peu les différents types de micros que moi j'utilise avec le rendu. Voilà, donc tu peux aller la regarder si tu veux. Une fois que tu as ce micro là, le but maintenant est de savoir comment te positionner pour échanger et pour délivrer ton message. Alors, il y a des gens qui ne seront pas à l'aise avec la caméra en premier lieu. Quand ils écrivent ou quand ils ont un écran retour, ils vont avoir tendance à regarder leur image pour être sûr que
En fait, ils vont plus regarder l'image que regarder la caméra directement. C'est pour ça que là, parfois, sur certaines de mes vidéos, je préfère ne pas avoir d'écran parce que je sais pertinemment que je vais aller jeter un regard à chaque fois pour voir ce qui se passe. Donc, tu peux déjà le constater sur certaines de mes anciennes vidéos. Donc, il y a la technique de des lunettes hein, que tu mets, comme ça, personne ne peut voir où tu regardes à ce moment-là. Voilà, mais bon, ça, c'est une petite technique. Pour savoir si tu seras à l'aise à filmer avec la caméra, tourne sans pression. Parle devant, tu check le son, tu check l'image si ça te plaît. Et si tu n'aimes pas trop l'image que tu renvoies et compagnie, ne panique pas. Tu as différentes manières de mettre ça en place. Tu peux déjà commencer par tout simplement enregistrer le son, garder le son et remplacer ton image par ce qu'on appelle des b-rolls ou par des images que tu vas venir ajouter à ton montage. Ok, comme ça, forcément, tu n'es pas toujours celui qui est devant la caméra. Tu peux aller l'agrémenter en allant filmer justement ce dont tu es en train de parler et le mettre en avant à ce moment-là quand tu vas faire ton montage. Et petit à petit, tu vas voir que tu prendras l'habitude de pouvoir incorporer ta propre image à ton montage et à ta vidéo finale. Tu as aussi la lumière qui est très importante. Alors là, tu vois, j'ai de la lumière de partout. Tu n'es pas obligé d'avoir autant quand tu commences. Okay, tu peux, tant que tu as une bonne source de lumière pour bien éclairer ta scène, c'est largement suffisant. Je peux te montrer que si j'éteins toutes les lumières que j'ai ici, là, la lumière reste quand même toujours potable. Si je continue à les éteindre, la lumière reste toujours potable parce que j'ai une source de lumière principale et une source de lumière en fond. Voilà. Ensuite, tu peux agrémenter avec des contres, des lumières pour faire un peu plus d'ambiance. Donc, par exemple, si j'éteins toutes mes lumières d'ambiance, voilà, je me retrouve uniquement avec ma lumière principale et ma lumière de contre, ma backlight et ma frontlight. Voilà. Deux lumières sont largement suffisantes pour commencer à faire une vidéo. Voilà. Après, tout le reste, c'est vraiment du plus selon ta direction artistique, selon comment tu veux que ton image soit diffusée et interprétée et interceptée par ton public. Donc, moi, j'aime bien avoir un petit peu des petites lumières d'ambiance de temps en temps sur certaines de mes vidéos. Donc voilà, je vais avoir mes lumières d'ambiance que je suis en train d'allumer là. C'est très 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 léger, hein. C'est très léger. Mais tu vas sentir que l'atmosphère, l'ambiance est en train de changer au fur et à mesure que je vais les allumer. Voilà. Donc tu vois, ça plus la même tête. C'est pas du tout pareil que tout à l'heure, on est d'accord. Donc je fais un petit récapitulatif avant de passer à la partie où je te montre en temps réel comment on met en place un podcast. C'est l'exemple dans cette vidéo-là. D'abord, savoir ce que tu veux parler. Une fois que tu sais de quoi tu veux parler, trouver l'équipement qui correspond, ok, pour le faire, pour l'enregistrer. Une fois que tu as ça, il faut avoir le bon son, avoir les bons micros et avoir la bonne lumière. Bon, j'ai pas eu le temps de faire mon café, je suis un peu dégoûté. Donc, il faudra que je trouve un endroit pour m'acheter mon café tranquillement. Sinon, est-ce qu'on a le temps? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Ah, 16h20. Ok, bon. C'est l'heure de partir. C'est l'heure d'y aller. Alors, je sors un peu du contexte de ce que j'étais en train de te présenter tout à l'heure. Tu as peut-être dû le constater. Hein. Je te présente en même temps du vlog et je fais en même temps un peu où je te parle un peu technique. Tu as dû constater que voilà, moi, mes vidéos, elles sont beaucoup axées sur ce type-là, de faire ce qui me plaît. Et je sais que sur YouTube, tu as plein de personnes qui disent « Oui, en fait, YouTube fonctionne quand tu fais aussi ce qui plaît à ton audience. » Mais moi, ce qui me gêne un petit peu dans ça, c'est pas que je veux pas faire des choses qui vous plaisent. Hein. Moi, ce qui me gêne dans ça, c'est qu'après, si je commence à faire des choses qui vous plaisent à vous, ben, ça peut risquer que je ne fasse plus rien qui me plaît et je ne prends plus plaisir à le faire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, pour moi, c'est là où c'est dangereux de fonctionner uniquement en fonction de ce qui plaît à ton audience pour faire plus de vues. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver coincé à produire du contenu, mais qui ne te plaît pas. Et c'est ce que j'ai constaté sur beaucoup. Donc, il faut trouver l'équilibre entre arriver à faire en sorte que les gens apprécient ce que tu partages avec eux. Et le plus important dans ça, pour moi, honnêtement, c'est que d'abord, je dois prendre plaisir à ce que je fais. Je dois prendre plaisir à ce que je partage avec toi et ça doit être communicatif. Et mon but, c'est faire grandir la chaîne avec le maximum de personnes qui apprécient ce que je propose. Et pas de tourner des vidéos uniquement pour faire plaisir à des gens. Parce qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, tu plais à n'importe qui
et toi-même tu finis par ne pas te plaire. Tu vois le délire ou pas? Donc voilà, c'est ça qui est un peu borderline un petit peu avec YouTube. Trouver cet équilibre là. Alors, pour terminer, vous avez vu ici là, le GH5 il est posé, il est rangé directement. Pour le podcast, on fait on filme en 1080p, ça sert à rien de faire du podcast en 4K. Franchement, je mets en 1080p, je suis en H-Log, 50 images, 25 images par seconde, ça ne sert à rien de faire du ralenti, de se mettre en 50. Ça fait gagner du temps. J'ai 2h48 comme ça sur la carte. Donc on a ça qui est bien branché. Tout est branché, le micro que j'utilise, le Rode Mic 1. Bon, lui, il utilise le 2 parce que voilà, nous ne sommes pas de la même catégorie. Hein. Je suis un canard, tout simplement. Voilà, lui, je suis un vrai canard. Lui, il a acheté le 2. Moi, j'ai pris le 1. Mais j'avoue, le 2, il est stylé. Le 2, il est stylé. J'ai juré, le 1, il est suffisant. Mais j'avoue, voilà, comme il dit, si vous prenez le 1, c'est largement suffisant pour débuter. Un bon micro, une caméra qui filme en 1080p, par exemple, pour débuter, c'est très bien. 4K, si vous pouvez. Mais franchement, t'as pas besoin de plus pour te lancer dans la vidéo. Voilà, juste avec ça, c'est déjà pas mal. Alors désolé, ma motivation pour faire cette vidéo est descendue, mais drastiquement, parce que mon attention est portée sur autre chose. Parce que là, on va lancer le live. Donc, si tu ne le sais pas encore, tu peux nous rejoindre sur les lives tous les mardis soirs à partir de 21h. On est en live sur Instagram. Et quand on sera assez nombreux, je pense qu'on passera sur Twitch. Voilà, tranquillement. Sinon... Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo et on se voit plus tard. Parce que tout simplement, on est dans un moment où les gars savent, ça fait depuis le début de l'ère où la musique a commencé à être utilisée en termes d'imagerie, que les gars savent qu'ils peuvent jouer sur ce tableau-là. Ils savent qu'ils peuvent le jouer sur le côté chaud, ça va faire parler. Et les chrétiens qui passent leur temps à aller chercher, hey, allez lire votre Bible plus tôt. Déjà, allez qu'est-ce que vous étudier. Regardez ça? C'est ça mais même. Déjà, pourquoi vous... Qu'est-ce que pourquoi vos, vous si êtes c'est un truc dessus. Qui vous dérange, qu'est-ce que vos yeux font dedans? Et tu sais, c'est comme quand je dis, les gens qui te disent, ouais, Megan Thee Stallion, elle passe son temps à twerker, c'est pas une femme bien, Nicki Minaj qui twerk, nanana et compagnie. Mais les gars, vous êtes choqués qu'une stripteaseuse fasse ce qu'une stripteaseuse doit faire. La meuf fait c'est son ça, taf. C'est ça, je comprends pas avec vous. La personne fait son taf, c'est tout, ça vous choque. Mais vous, c'est quand ça, vous êtes en soirée, hein, je vous vois. Hein, je vous ai vu en soirée, les gens. Je sais comment vous agissez en soirée. C'est ça que je comprends pas avec vous. C'est le principe. Vous savez que c'est cette manière-là, c'est cette chose qu'ils utilisent pour leur communication. C'est leur manière de communication. C'est leur manière d'échanger. Ils sont beaucoup sur le sensationnel, les trucs comme ça. C'est à eux, comme je dis, un mec ou un rappeur qui rappe la rue, t'étonne pas s'il a des signes de gang, il fait le gars qui utilise des fusils, de machin, tout ça et compagnie dans son imagerie. Pourquoi tu viens casser les pieds à me dire « Ah, t'as vu, le dernier qu'on baladait, il a utilisé tel truc. Ah, il faut pas regarder ça, les jeunes chrétiens, gna gna gna. » Vous mettez plus de lumière dessus, donc plus vous mettez de la lumière dessus, plus ils vont aller regarder. Vous avez énervé la personne, moi j'ai faim. Je sais plus pas, vous allez le regarder. Donc laissez Tyke faire ses affaires.